palais, comme ça. Voilà. Mais longtemps que j'ai pas joué. J'ai joué au palais. J'ai joué au palais quelques temps. Tu sentais depuis ces quelques jours que ton 31 août serait une longue journée. Je l'espérais avant, hein, mais ouais, franchement, c'est une première pour moi, dernier jour du mercato, à attendre. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir une issue heureuse. Je pense que l'attente a été un peu longue, mais le plus important, c'est que tout le monde soit content et que voilà, qu'on puisse repartir à vraiment jouer au foot et penser qu'au match et à s'entraîner. Quoi. Avec la motivation de nouveau change. Exactement. Je pense que c'est. J'étais au bout d'un cycle aussi, je pense, à Montpellier, c'est 3 ans où je pense que j'ai progressé et je me suis épanoui, mais je pense que c'était peut-être le moment d'aller chercher voir autre chose pour essayer de passer un cap et d'encore plus progresser. Donc ouais, je suis content d'être ici. Ouais. Il y aura évidemment de la concurrence, mais on va jouer aussi beaucoup de matchs. Donc voilà, après dans la gestion de l'effectif, ça sera à l'entraîneur évidemment de faire ses choix. Mais quand on est dans un club comme le nôtre aujourd'hui, on se doit d'apporter des solutions à l'entraîneur, mais aussi de la concurrence entre les joueurs. Et ça leur permettra aussi d'élever pour chacun leur niveau et de tirer tout le monde vers le haut. Un joueur qui a un certain nombre de matchs en Ligue 1, à l'image de Baptiste Santamaria. Donc voilà, on a besoin aussi de joueurs un peu plus expérimentés pour encadrer, toute la jeunesse de notre effectif. J'ai toujours eu une très bonne image. Je trouve qu'il y a une équipe ambitieuse, un club ambitieux. Et c'est vrai que je suis venu aussi chercher de l'ambition et voir faire de belles choses avec cette équipe. Je pense que c'est une étape au-dessus. Je pense que l'équipe est très compétitive. Je trouve ça aussi pendant ce mercato, je pense que le club a beaucoup investi aussi. Donc voilà, on s'est donné les moyens pour pouvoir être ambitieux et on va tout faire sur le terrain pour l'être et essayer d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui, je me sens bien dans mon football. Et voilà, donc après, à partir de là, quand tu es bien dans ton football et tu es bien dans ta vie, tu arrives à faire des bonnes performances. Donc j'espère continuer sur cette lancée-là avec Rennes parce que je suis là avec de l'ambition et avec des objectifs.